Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Une récente étude révèle que les impacts économiques du réchauffement climatique pourraient être 6 fois plus importants que précédemment estimés. La Haute Autorité de Santé a récemment approuvé l'utilisation d'un nouveau vaccin contre la bronchiolite. L'Assemblée de Martinique a adopté à l'unanimité 3 délibérations concernant le transfert des terrains du domaine public de l'État de la zone des 50 pas géométriques. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Allez-vous vous intéresser aux élections législatives qui auront lieu à la fin du mois ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Arrêtez le neg contre neg ». Un complément alimentaire, des vitamines notamment, n'est pas sans danger ni sans effet secondaire. S'il contient des produits actifs, il y a des choses à ne pas dépasser. C'est le cas de la mélatonine qui entraîne à haute dose des effets de somnolence pendant la journée. Aujourd'hui, la qualité de l'air reste bonne. Demain, la qualité de l'air pourrait se détériorer légèrement. Un homme d'une quarantaine d'années et sa compagne d'une trentaine d'années ont été retrouvés tués par balle dans leur maison du quartier Fourachaud au Saint-Esprit, hier, jeudi dans l'après-midi. C'est un proche qui a découvert les corps. Les voisins avaient entendu des coups de feu. Cela fait donc 12 homicides en Martinique depuis le début de cette année 2024. À l'occasion des élections législatives anticipées, la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, a fait connaître aux différents candidats ce qu'elle considère comme des priorités pour garantir l'essor des entreprises ultramarines et le développement social et économique des territoires au cours des 3 prochaines années. Elle propose de renforcer le dialogue entre l'État, les collectivités territoriales et les forces économiques dans le cadre d'une association effective et institutionnalisée. Cela passe par la concertation préalable et par une réelle appropriation des enjeux communs, notamment en matière de transition énergétique et d'écologie. La FEDOM tient également à ce que soient garanties les conditions de la compétitivité des entreprises et l'emploi. Pour cela, il faut renforcer les dispositifs en faveur de la création et de la reprise d'entreprises et mener une politique attractive de soutien pour permettre de mieux se structurer face à la concurrence internationale. La FEDOM met aussi l'accent sur la nécessité d'innover pour permettre la montée en gamme des productions et rappelle que les entreprises ultramarines ont besoin d'embaucher et de conserver leur personnel les plus performants. Toute remise en cause du dispositif d'exonération de cotisations patronales mis en place dans les départements et régions d'outre-mer freinerait donc, selon elle, la dynamique de l'emploi outre-mer, augmenterait encore le coût de la vie et ralentirait la décarbonation et la transition énergétique. En troisième lieu, il convient de soutenir l'activité économique et l'emploi, d'adapter les normes et de simplifier la vie de l'entreprise. Alors que les territoires ultramarins connaissent les taux de chômage, en particulier chez les jeunes, les plus importants de France, la FEDOM rappelle que la croissance de l'activité est le premier créateur d'emplois, mais aussi une réponse essentielle à la vie chère. Or, une importante partie de l'activité économique outre-mer dépend de la commande publique, mais elle est aujourd'hui bridée par la complexité des procédures administratives et juridiques et par les délais de paiement excessifs des collectivités territoriales et des hôpitaux. La FEDOM rappelle d'ailleurs à quel point les secteurs comme les services ou le BTP illustrent particulièrement bien ces enjeux. Elle estime que cette situation n'est pourtant pas une fatalité. Des solutions ont été étudiées et proposées, comme l'intervention de la Chambre régionale des comptes en cas de délai de paiement excessif des collectivités locales, ou celle du comptable public pour calculer et faire payer les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire. Ou encore, poursuivre le name and shame
en publiant les délais de paiement des collectivités de moins de 3 500 habitants. S'agissant de l'hôpital public, il faudrait envisager la mise en place d'un fonds de garantie en partie alimenté par les principaux acteurs concernés. À Schœlcher, à l'occasion de la fête de la musique aujourd'hui, l'ensemble vocal A Cappella sera en concert de 18h30 à 19h30 à l'Hôtel de Ville, au programme des chants du monde, d'ici et d'ailleurs, et un chant final avec le public. Par ailleurs, un village musical est prévu ce vendredi 21 juin de 17h à 23h au Bourg. Les artistes s'y produiront simultanément dans plusieurs espaces scéniques. Cette année, les internautes pourront visualiser une partie du village en numérique et découvrir les clips réalisés par la ville dans le cadre du village. Une récente étude révèle que les impacts économiques du réchauffement climatique pourraient être 6 fois plus importants que précédemment estimés. Cette étude montre qu'une augmentation de 1 degré Celsius pourrait réduire le PIB mondial par habitant de 12%. Cette baisse considérable est attribuée aux pertes de productivité, aux dommages agricoles, aux perturbations des infrastructures et aux coûts nécessaires pour l'adaptation et la réparation des dégâts. Les résultats soulignent le coût social considérable du carbone, estimé à 1 056 $ par tonne émise, suggérant que les dommages économiques de chaque tonne de carbone soient bien plus élevés que les estimations actuelles. Cette découverte renforce l'argument en faveur d'une transition énergétique accélérée, notamment pour les plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, comme les États-Unis et la Chine. Pour ces pays, investir dans la décarbonation pourrait être bien plus économique que de payer les coûts futurs des dommages causés par les émissions. L'étude prédit même que sans action, une augmentation de 2 degrés Celsius d'ici 2100 pourrait entraîner une réduction de 50% du PIB mondial en raison des effets des catastrophes climatiques. Ces nouvelles données pourraient pousser les décideurs à intensifier leurs efforts pour la transition écologique en mettant en lumière le fait que les coûts de l'inaction surpasseraient largement ceux associés à des mesures plus actives. À Schœlcher, EDF Martinique procédera au remplacement des pylônes 63 000 volts au quartier Enclos, rue Caius et Étienne Sicot. Ces travaux se dérouleront du lundi 24 au vendredi 28 juin prochain, de 6h30 à 16h. La circulation et le stationnement seront strictement interdits durant la période des travaux. Hier, jeudi, l'Assemblée de Martinique a adopté à l'unanimité 3 textes concernant le transfert des terrains du domaine public de l'État de la zone des 50 pages géométriques vers le domaine public de la collectivité territoriale au 1er janvier 2025. Elle a en outre décidé que cette zone sera désormais désignée sous le nom de Bodlamet-Matnik. L'agence de l'espace littoral martiniquais qui la gérait s'appellera Biwo Bodlamet-Matnik. La Haute Autorité de Santé a récemment approuvé l'utilisation d'un nouveau vaccin contre la bronchiolite. Proposé par Pfizer, ce nouveau vaccin est donc destiné aux femmes enceintes pour protéger les nourrissons contre la bronchiolite, une infection respiratoire qui peut être très grave, voire mortelle. Le produit est administré aux futures mères entre la 32e et la 36e semaine de grossesse, offrant une protection immédiate à l'enfant dès sa naissance. Cette stratégie de vaccination pendant la grossesse est une nouveauté qui nécessite une surveillance accrue pour détecter d'éventuels effets secondaires, notamment le risque de naissance prématurée. En tout cas, les parents ont désormais plus de choix pour protéger leur enfant dès les premiers jours de vie, anticipant ainsi les risques liés aux épidémies saisonnières de bronchiolite. Hier soir, après 3 heures de délibération, la cour d'assises a condamné Johan Cupit à 30 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa compagne, Aurélia Biron, en la faisant brûler vive dans leur domicile de Trenel en novembre 2019. Tout au long du procès, l'accusé avait affirmé que l'incendie avait été un accident, une thèse réfutée par l'enquête.
Les communes de Martinique entendent célébrer dignement la fête de la musique au Diamant. Le public est invité ce soir à partir de 19h30 à découvrir la musique autrement à l'espace muséographique Bernard David. Au Lorrain, petits et grands sont attendus sur la place 22 mai Eclibété pour un véritable partage musical à partir de 18h en présence de nombreux artistes. À Saint-Joseph, les habitants de la commune sont conviés au centre culturel Marsay pour exprimer leur talent de 15h à 20h. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, a exprimé son opposition à la généralisation d'un congé menstruel, déjà mis en place pourtant par plusieurs entreprises françaises et adopté au niveau national en Espagne. Au Sénat, une proposition de loi visant à instaurer un arrêt de travail pour les femmes souffrant de dysménorrhée aux règles douloureuses, a été rejetée. Les sénateurs socialistes avaient proposé un arrêt maladie de 2 jours par mois pour la dysménorrhée sans délai de carence et avec un certificat médical annuel. Le ministre a soulevé des inquiétudes concernant le risque de discrimination à l'embauche et a évoqué les effets potentiellement néfastes sur le dialogue social. Des amendements ont été tentés pour limiter l'arrêt à 1 jour par mois et restreindre son application au cas d'endométriose symptomatique. Mais la proposition de loi n'a finalement pas été adoptée, en partie à cause des inquiétudes quant à l'atteinte à l'intimité des personnes et le coût pour la sécurité sociale. La Poste vient de mettre en vente son document philatélique souvenir du passage de la flamme aux Antilles. On y voit l'allumage du chaudron par la nageuse martiniquaise Coralie Balmy. Le timbre pour collectionneur est daté du jour de l'événement, soit le 17 juin 2024. En raison des élections législatives dont le deuxième tour est prévu le 6 juillet, le tour cycliste de Martinique est réduit d'une journée cette année. Il partira le 7 au lieu du 6. Après Washington, c'est au tour de l'Union européenne de renforcer les taxes douanières sur les véhicules électriques chinois. Bruxelles a annoncé jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois dans l'UE, tout en cherchant à éviter une guerre commerciale avec Pékin, accusé d'avoir favorisé illégalement ses constructeurs. L'Allemagne, très engagée en Chine, a bataillé avec la Suède et la Hongrie pour éviter des sanctions, craignant des représailles. La France et l'Espagne ont au contraire appelé à mettre en place des mesures ciblées et proportionnées. La Chine a immédiatement dénoncé un comportement protectionniste des Européens via un communiqué du ministère du Commerce. Cette décision de l'UE, qui intervient après 9 mois d'enquête, pourrait déboucher sur des droits définitifs si les pourparlers actuels n'aboutissent pas à une résolution d'ici novembre. Cette situation s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales croissantes, notamment avec les États-Unis, où des mesures similaires ont été prises. La réaction de la Chine inclut des enquêtes sur divers produits européens, exacerbant les inquiétudes d'une possible guerre commerciale. Au Soudan, la guerre provoque la plus grande crise humanitaire de la planète, l'une des pires dans le monde depuis des décennies. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, plus de 2,5 millions de personnes pourraient mourir de faim d'ici septembre. Plusieurs groupes de défense des droits humains et les États-Unis accusent les paramilitaires de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. À l'ONU, l'ambassadeur soudanais a accusé les Émirats arabes unis d'être responsables de la poursuite de la guerre. Ce vendredi 21 juin, pour la fête de la musique, l'Atrium ouvre ses portes à de nombreux artistes et à tous ceux qui veulent se produire de 16h à 20h. Par ailleurs, des groupes de musique connus ou moins connus se produiront un peu partout dans les rues de Fort-de-France, l'occasion de partir en balade à leur découverte. La réduflation, est-ce que vous connaissez ? Il s'agit de vendre une quantité moindre de produits, mais pour un prix identique, voire plus élevé. Cette pratique commerciale est désormais encadrée. À partir du 1er juillet, les super et hypermarchés auront obligation d'alerter les clients de façon visible en cas de modification en matière de taille, de volume ou de contenance
d'une marchandise. Passons maintenant à votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Allez-vous vous intéresser aux élections législatives qui auront lieu à la fin du mois? Allez-vous vous intéresser aux élections législatives qui auront lieu à la fin du mois? Oui, bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que on a eu le droit de voter, donc j'assume, tout simplement. Oui, je m'intéresse et d'ailleurs je vais voter samedi. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression qu'on nous tourne en bourrique et puis... les élus de la Martinique qui sont pas trop intéressés par le public, je trouve, par le peuple martiniquais, en fait. Ils promettent beaucoup de choses et puis à l'arrivée, ils sont élus, rien ne se fait, quoi. Non, monsieur. Parce que c'est pas normal. Nous, comme en équipe qui a dit nous non, ne pas, comment, pour les élus, pour la retraite. Il y a quoi dire nous, et c'est, même ces montagnes qui a fait barrage pour venir voter Bayo. Donc, ben là, pas ni sens. Je ne crois pas. Hein. Parce que, ben là, leurs besoins en bagaille en pays, il n'y a pas d'abord ça qu'il faut. Yo les mettez quand ils ont la place, mais rien n'est pas fait. Ouais. Alors, c'est pas pour moi. Allez-vous vous intéresser aux élections législatives qui auront lieu à la fin du mois? Eh ben écoute, par la force des choses, oui, hein, parce que bon, il y a quand même des choses qui se mettent en place, qui se décident. Et si on ne s'y intéresse pas, après on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc même si on n'est pas spécialement intéressé, mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. Non, pas du tout. Parce que il y a pas d'évolution, c'est toujours les mêmes choses en fait. Ouais, une avance. Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que on dit des choses, mais on ne fait pas. Disons, il faut avoir l'accord du Seigneur aussi. Hein. Il faut prier pour ça, pour pouvoir faire ce qu'ils disent. Parce que ce n'est pas évident, c'est vrai. Et pas vraiment. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert vraiment à rien. Je vais voter. J'irai voter pour nos députés antillais, mais ça ne sert à pratiquement à rien. Parce que quand ils sont dans l'hémicycle, on n'entend pas les voix des autres maires. Donc, je trouve que, bon, je vais faire mon devoir de citoyenne, mais c'est... Retrouver le savoir et réfléchir de Roland Laouché, il s'intitule ce soir « Arrêter le nègre contre nègre ». Certains le savent parce qu'ils ont personnellement vécu cette époque, d'autres le savent parce qu'ils connaissent l'histoire de la Martinique. Il fut un temps où des Martiniquais formait une véritable armée, mobilisée par la très fameuse formule d'Aimé Césaire, le génocide par substitution. Ces Martiniquais-là avaient l'impression de se battre pour qu'on ne disparaisse pas leur peuple remplacé par un autre peuple venu d'ailleurs, venu d'Europe. Aujourd'hui, ce combat n'existe plus. Et nous avons l'impression que l'évoquer, c'est presque prononcer un gros mot. On ne sait pas si à un moment ou un autre de son histoire, la France a eu ce projet, celui de faire disparaître les Antillais et les Antilles et de les remplacer par les hexagonaux. Certains le croient dur comme fer et font remonter ce projet au BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer dans les années 1960. D'autres disent simplement qu'à l'époque du BUMIDOM, la France avait besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire après la guerre. Les Antillais avaient besoin de travail, et bien le BUMIDOM a simplement organisé la rencontre. Aujourd'hui, la position du gouvernement est claire et elle s'exprime sans détour concernant ses propres employés, ses fonctionnaires. Pour lui, citons-le,
la mobilité professionnelle représente une opportunité d'acquisition de nouvelles compétences et d'exploration de nouveaux environnements de vie et de travail. Fin de citation. Voilà donc pourquoi il met en place tout un dispositif pour faciliter la venue et la vie en Martinique de fonctionnaires hexagonaux. Des fonctionnaires qui doivent relever plusieurs défis. Adaptation à un nouvel environnement de travail, conciliation entre vie professionnelle et personnelle, maintien des liens avec l'administration d'origine et recherche de logement. Et la recherche de logement de tous ces défis est sans doute le plus important. Dès lors, un site a été développé spécifiquement pour le ministère des Outre-mer. Dans un premier temps, il propose une plateforme logement conçue pour simplifier la mutation des agents dans les territoires de Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon avant de l'étendre. La plateforme propose plusieurs fonctionnalités innovantes. Bourse au logement, cette fonctionnalité facilite la transmission de logements entre fonctionnaires, assurant ainsi une continuité dans l'occupation des biens. Recherche inversée, elle permet aux bailleurs de recevoir directement les dossiers de recherche complets des fonctionnaires, optimisant ainsi le processus de location. Forum d'entraide, ce forum offre une plateforme d'échange où les fonctionnaires peuvent obtenir des conseils précieux sur les écoles, les quartiers et d'autres aspects de la vie locale. Annonce immobilière enfin, la plateforme met à disposition des annonces de location, colocation et vente spécifiquement destinées aux fonctionnaires. Grâce à cette initiative, le ministère des Outre-mer espère améliorer les conditions de mutation des fonctionnaires en simplifiant le processus de recherche de logement et en offrant un soutien communautaire. Fin citation. Voilà, c'est clair. Dans les années qui viennent, vont exister sur notre territoire de plus en plus d'endroits où ne seront logés dans le temps et dans l'espace que des fonctionnaires hexagonaux, des blancs donc, et ils auront bien entendu tendance à vivre entre eux. Mais ça ne devrait pas être de l'eau pour nous mouiller. Avec les béquets, il y a longtemps que nous avons des blancs qui vivent à part, d'autant plus que personne ne nous interdit, nous Antillais, de vivre entre nous, nous aussi. Il faut simplement arriver à arrêter le nègre contre nègre. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans notre sujet santé, ce soir, il est question d'infarctus du myocarde. Dans l'inconscient collectif, l'infarctus du myocarde, ou syndrome coronaire aigu, ne frappe que l'homme en surpoids et passé la cinquantaine. Erreur. Sur les 65 000 infarctus du myocarde pris en charge en urgence chaque année en France, un quart terrasse une femme âgée de moins de 60 ans dans 27% des cas et de moins de 50 ans dans 11% des cas. De plus, la proportion de femmes parmi la totalité des infarctus augmente, elle, de 31% selon le registre européen EuroHeart. Les infarctus du myocarde ont triplé chez la femme de moins de 50 ans ces 15 dernières années. La faute à la progression du tabagisme et de l'association pilule-tabac et des troubles métaboliques comme l'obésité, les troubles lipidiques ou le diabète. Aujourd'hui, 28% des femmes fument, de plus, l'espérance de vie a progressé et l'on peut espérer vivre 30 ans après la ménopause, la période la plus à risque d'accidents coronariens, dont la crise cardiaque. Les accidents coronaires chez la femme, on n'y pense pas, on y croit moins, et l'image que nous avons de l'infarctus du myocarde chez la femme est bien éloignée de la vérité. Aux idées reçues s'ajoute la négligence ou défaut de prise en charge. De plus, les femmes tardent plus à appeler les secours, 45% d'entre elles appelleront le SAMU contre 57% chez l'homme. La femme ressent des symptômes avant-coureurs, parfois jusqu'à un mois avant de consulter. Au final, le diagnostic de crise cardiaque est trop tardif dans 55% des cas chez la femme. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jeunie Georges, Marie-Flore Rosa, François-Augustin, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Marlène Édouard, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché.
Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. En France, vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent week-end et que Dieu garde la Martinique.